Escalier menant au plafond, porte donnant sur du vide, dédale de pièces et de couloirs, la maison Winchester est l'une des demeures les plus singulières des États-Unis. Composée de 161 pièces, 17 cheminées et 10 000 fenêtres, elle serait, selon la légende, hantée par des centaines d'esprits. En 1886, à San José en Californie, Sarah Winchester, veuve fortunée de 46 ans et héritière des carabines Winchester, achète un discret ranch sur un terrain de 65 hectares. Elle y entame des travaux colossaux pour transformer et agrandir la demeure. C'est une maison qui est entourée d'une légende tout à fait étrange. On raconte que Sarah Winchester, après avoir perdu de manière très douloureuse son unique enfant, puis elle a vécu une succession de deuils, à savoir celui de sa mère, de son beau-père et de son mari qu'elle aimait beaucoup, serait allée consulter un médium. On est en pleine période du spiritisme aux États-Unis, à Boston, et que ce médium lui aurait expliqué que s'il y avait eu tant de morts dans sa famille, c'est parce qu'elle était maudite, qu'il y avait une malédiction qui pesait sur elle. Et cette malédiction ne pouvait être arrêtée que si elle construisait une maison sans fin, c'est-à-dire 24 heures sur 24, jusqu'à la fin de ses jours, pour pouvoir capturer toutes ces âmes tuées par les carabines Winchester et qui voulaient sa mort. Selon la légende, c'est en communiquant avec les esprits que Sarah Winchester décide des travaux à effectuer dans la maison. Il y a une pièce en particulier qui est très importante, qui s'appelle la Spirit Room. Dans cette toute petite pièce où seule Sarah Winchester avait le droit d'aller, c'était l'endroit où à minuit pile, il y avait une cloche, et il y avait donc les 12 coups qui sonnaient, et à minuit pile, on raconte qu'elle rentrait en communication avec les esprits pour connaître tous les soirs les plans de la maison. Au bout de 10 ans, cette maison avait déjà 4 étages. C'est une maison qu'elle a transformée, qui s'inscrit complètement dans le style victorien qui était très à la mode à l'époque. Elle se passionne pour tout ce qui est moderne. Donc elle installe l'électricité, elle a quand même plusieurs ascenseurs. Elle avait un interphone aussi qui faisait que ses domestiques savaient toujours où elle était. Donc vraiment une maison on ne peut plus moderne et en même temps gigantesque. Les agrandissements de la demeure attirent peu à peu l'attention sur sa propriétaire. Très discrète, elle vit recluse et ne fréquente pas la haute société. Elle ne fréquente personne. Elle construit sa maison 24 heures sur 24. On a beau l'inviter, elle ne répond pas aux invitations. Donc on se retrouve face à une femme veuve, seule, qui s'isole volontairement. Et il est vrai que c'est totalement incompréhensible pour l'époque. Et en plus, ce qui était particulièrement étrange chez Sarah Winchester, c'est qu'elle avait cette tenue de veuve qui est plutôt quelque chose de commun à l'époque, hein, d'être habillée tout en noir, mais elle portait en permanence une voilette sur le visage, elle avait les mains gantées aussi. Donc il y avait quelque chose, je pense, de très spectral dans cette silhouette qu'on pouvait distinguer au loin, peut-être même de fantomatique. La réalité est peut-être plus banal, c'est que c'est quelqu'un qui avait de graves problèmes d'arthrose et qui avait eu aussi de graves problèmes de dentition. Il y a même eu un procès contre son dentiste. Donc elle se cachait finalement, elle cachait les parties de son corps qu'elle jugeait peut-être, elle, disgracieuses. La légende autour de Sarah Winchester commence à se créer de son vivant. Le spiritisme est alors très en vogue et la presse à sensation amplifie les rumeurs. Les gens ont commencé à se demander qui pouvait être cette femme. Et un jour, un journaliste est venu, a voulu la rencontrer, elle n'a pas accepté et il a émis une hypothèse qui est que cette femme qui a vécu des deuils douloureux construit une maison sans fin parce qu'elle se sent menacée et qu'il y a probablement une forme de folie et de superstition qui est liée à cette maison. Et à partir de ce premier article-là, il y a eu donc un effet boule de neige et une forme de surenchère. À chaque fois, on a rajouté quelque chose. Elle était superstitieuse, après elle était spirite, c'était à cause des armes. Là, on est au tournant du XXe siècle, à un moment donné aux États-Unis, où la population commence à avoir un rapport plus ambivalent aussi aux armes. Et c'est un moment aussi où, chez certaines personnes, pas chez tout le monde, il y a une prise de conscience par rapport au génocide amérindien qui a été mené dans le pays. Et comme par hasard, dans toutes les rumeurs qui circulent autour de Sarah Winchester, on a commencé aussi à dire que c'était des esprits amérindiens assoiffée de vengeance, qui voulait sa mort. Comme si, finalement, elle avait porté sur elle toute la mauvaise conscience d'une nation. Suite au décès de sa propriétaire en 1922, la maison Winchester est louée puis achetée par un certain Mr. Brown, bien décidé à y installer des montagnes russes.
Mais quand il découvre la légende autour de Sarah Winchester, il transforme le lieu en une véritable attraction touristique. Sarah Winchester est alors non pas présentée comme une passionnée d'architecture qu'elle était, mais comme une femme superstitieuse et spirite. Il suffit de dépiauter la presse de l'époque pour découvrir que tout a été inventé. C'est-à-dire que quand vous interviewez, par exemple, ou que vous interrogez ce qui a été fait à l'époque, tout le personnel de Sarah Winchester, personne, mais vraiment aucune personne, n'a jamais parlé de sa folie ou du fait qu'elle était spirite, qu'elle communiquait avec les esprits. Tous ces gens n'ont eu de cesse que de dire que c'était une femme merveilleuse, délicate, extrêmement intelligente, extrêmement sensible, mais pourtant leur voix n'est pas arrivée jusqu'à nous. Son statut de veuve et son lien avec les carabines Winchester ont fait oublier la femme au profit de la légende. La réalité, c'est que une femme seule, gérant sa fortune en véritable chef d'entreprise, donc à cette fin du 19e siècle, pouvait tout à fait, de par son attitude et le fait qu'en plus elle ne fréquente pas la société, être un parfait bouc émissaire pour porter toute la mauvaise conscience d'un pays qui a toujours encore aujourd'hui du mal à accepter que c'est un pays colonialiste, parce que tout de même, ce pays s'est fait au détriment des peuples premiers qui étaient là, les Amérindiens, et d'un pays aussi qui a un rapport extrêmement ambivalent aux armes et encore aujourd'hui.